change the world forever. Hey, salut ma joie, ici Gareth Hawk Valmar pour servir. Hey, même si nous savons tous où est le véritable Valmar, regardez bien, il est là, quelque part, dans cette scène actuellement. Il n'y a aucun indice qui puisse vous donner la réponse, rien du tout ne peut vous dire où est le véritable Valmar dans cet univers. Bref, donc, nous allons reprendre Dragon Age 2. Et là, cette fois-ci, on va se concentrer sur le recrutement de nos nouveaux compagnons. Donc voilà, alors, le truc, c'est qu'il faut savoir, il y en a deux qui font partie de la quête principale, bon. Ah quoi, donc on lui fera, etc. Mais le truc, c'est que l'un des deux, il va falloir que j'emmène Carver en mission, enfin avec nous. Donc voilà, donc avant d'aller chercher ce compagnon-là, j'irai rapidement regarder sur le site que j'ai trouvé pour savoir où sont les points que je gagne avec Carver. D'ailleurs, on gagne des points avec Carver que dans 3 quêtes secondaires, le reste, ça fait des quêtes principales en fait. Donc voilà, donc il faudra bien que je choisisse tout ça, etc. Le truc, c'est que Carver prend vite la mouche. Donc c'est pour ça qu'avoir des points avec lui, ça va être compliqué. La moindre de mes décisions, tout ça, etc., ça peut l'énerver. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais l'emmener en mission, sauf quand on peut lui gagner des points avec lui. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vérifierai souvent les sites, tout ça, etc. Donc voilà. Donc ensuite, oui, donc on a vu toutes nos quêtes, on a vu le secrétariat, je vais vérifier. Voilà. Donc rien de nouveau, j'ai donc déjà tout ce qu'il faut, mais pour l'instant il nous faut donc alors d'abord commencer le recrutement avec Aveline. Donc Carver, merci d'avoir été le guerrier pendant quelques temps pour le coup, mais on va un petit peu t'oublier. D'ailleurs, une des quêtes secondaires que j'ai... Alors attendez, dans le journal... c'était dans... Oui c'est ça, détail à régler. À Tenryl, il y a en fait un moyen de gagner 10 points avec Carver, mais uniquement... Après avoir accepté la mission. Si vous acceptez la mission alors qu'il est dans votre groupe, il va prendre des points de rivalité. Donc il faut d'abord accepter la mission sans Carver et après faire la mission avec Carver. Donc voilà, mais avant ça, il faut qu'on aille recruter toute l'équipe. Alors on va commencer. Donc, Marek, tu viens avec moi. Oui, on sera que tous les deux pour le coup. Et il faut qu'on aille au fort du Vicomte. Donc voilà, alors, il y a le palais des Perles Noires. Pas tellement grand chose d'utile. Mais bon. Un client, oh, Thaddeus, tenez-vous droit, tout le monde à son poste, bienvenue au palais des Perles Noires. Donc voici le patron des lieux, c'est Xénon l'Antiquitaire. L'Antiquaire. Alors il est un peu particulier, vous voyez, il est en fait un petit peu mort. Donc comment ça se fait qu'il est encore en vie? Ça fait partie du lore, tout ça, etc. Je vous laisserai découvrir par vous-même si vous cherchez un petit peu. Je suis le beau, le grand, le magnifique Xénon l'Antiquaire. Et le but ici en fait c'est de cliquer surtout à chaque chapitre, on va revenir et on aura des nouveaux objets à observer. Donc d'abord, enfant des rues. Ne malmenez pas le gamin, il n'est pas à vendre. Trouvez-vous le vôtre. Ça va, je vais pas te le prendre. Bon bref, c'est du lore ça. D'habitude, il réagit quand on clique sur les trucs comme ça, donc... Ce golem s'appelle Thaddeus Gigantus Krumboom. Troisième du nom, c'est mon préféré. Et il est marron, Xénon, donc c'est pour ça que j'aime bien l'écouter quand quand on clique sur les trucs pour savoir ce qu'il raconte dessus. Alors, blablabla... Prière de ne pas toucher Andraste. Les portes du palais ne sont ouvertes qu'à une poignée d'élus, vous savez. Ils sont nombreux à quadriller les égouts en quête du palais et finissent par aborder ce pauvre môme. Si tu le dis, Xénon. Si tu le dis. Ah, je crois que la réplique est un peu buggée. Ouais, voilà, il arrivait pas à se débloquer de la réplique qu'il était en train de lancer. Je t'ai
taise quand ça coupe, enfin que ça donne pas les conversations. Donc ça, c'est en fait tout ce qu'il jette à chaque fois. Ah, c'est vrai, j'ai un inventaire plein à chaque fois. Faudrait que je puisse vendre mes trucs. Ah, pour le coup, il bug vraiment, quoi. Ça m'énerve. Bon. C'est ici qu'on peut vendre des trucs. Donc, écoutez, c'est là qu'on va vendre mes trucs. Alors, je te vends ça qui ne me sert strictement à rien. Ainsi que ça. Et ceci. J'aimerais aussi te vendre mon bric-à-brac. Merci bien. Prends aussi cette ceinture, s'il te plaît. Donc rien ici. Ok. Donc on va récupérer donc ce qu'il jette. D'habitude il dit tout ceci n'est pas à vendre, vous pouvez vous servir gratos. Ah, ça m'énerve que ça bug comme ça. Bon, ici c'est donc la vente. Ici c'est donc l'artisanat, là où on peut créer des potions, des runes, des trucs, tout ça, etc. Et là vous avez le miroir pour changer en fait de tête, si vous voulez. Donc voilà. Donc je vais pas cliquer dessus, hein, parce que sinon on va aller dans l'éditeur de personnages et moi je ne veux pas, je veux pas aller là-dedans, quoi. Bref, donc Zénon, c'était sympa de te voir. Ouais, il est bien bugué pour le coup, hein. Ah là là, ça m'énerve, mais bon. Dommage. Bref, rendons-nous à la haute ville. Ah, Hubert, il fait partie des quêtes qu'on devra faire pour la mine d'os. Mais d'abord, on ne prend aucune quête. On va juste s'occuper des... comment ça s'appelle? Des compagnons, ainsi que des quêtes pour avoir l'artisanat, justement. Donc on va commencer avec Vaillant. Ok, ça fait une éternité, camarade. Ça alors, mais c'est le nain Vaillant, Vaillant le mal nommé. La publicité mensongère, très peu pour moi. Vous ne travaillez plus pour Athenril, si? Votre année de service doit être révolue. Je constate que vous mettez toujours votre nez dans les affaires des autres. Évidemment, pour un nain, c'est la seule façon de gagner sa vie. Je vais vous dire, j'ai gardé mes anciens contacts. Si vous avez besoin qu'on vous fabrique une rune, n'hésitez pas. Bonne continuation, Hawk. N'allez pas vous faire tuer. Jamais de la vie. Donc voilà, donc on peut faire des runes maintenant. Donc voilà, il faut qu'on trouve les différents... appelle ça. Les différentes ressources à découvrir. C'est dans le jeu, etc. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien, donc ça sert à rien. Mais bon, voilà. Grâce aux runes, on va pouvoir améliorer notre équipement, le rendre plus puissant, lui donner des statistiques supplémentaires, etc. etc. Nous ne sommes pas là pour ça pour l'instant. Alors justement, la dernière fois j'ai oublié de fouiller la zone. Il faut toujours fouiller les zones avant de partir au chapitre suivant. Parce que le moindre coffre, le moindre truc, tout ça, etc. c'est de l'argent en plus. Et du codex aussi, comme vous voyez. Donc jamais rater quoi que ce soit. Si je me souviens bien, il y a des caisses là-bas. Donc on va aller les chercher. On va pas aller dans cette zone. Parce que justement, bah, pour l'instant, voilà quoi. Il y a un personnage à recruter là-bas et sa cinématique commence, etc. Mais je veux d'abord recruter les autres compagnons avant de le recruter lui. Puisque c'est le compagnon DLC, donc autant le garder pour la fin. Voilà, voilà. Athenril est là-bas, mais on n'a pas besoin d'aller là-bas si je me souviens bien. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de coffre ou quoi que ce soit à ouvrir. Donc, on va continuer notre bonhomme de chemin. Reprendre notre route, et normalement, si je me souviens bien, ici, il n'y a plus rien, à part ce qui se passe dans la zone là-bas, dans cette direction, il y a des trucs à déverrouiller, et il y a Athenril là-bas, mais c'est tout. Et quoi sinon le reste, on a déjà tout pris. C'est l'occasion idéale. Le fort ne passe pas inaperçu. Chaque pierre semble hurler, ici commence le règne du désespoir. Ah, Orlais. C'est, disons, la France, version Dragon Age. Très sincèrement, de ce que j'ai compris du lore, tout ça, etc., Orlais, en fait, c'est la France. Donc, comme j'ai dit, allons chercher Aveline. D'ailleurs, Varric, rappelle-moi. Au niveau de tes attributs, là... Ouais, ça devrait aller, donc. Ok. Parce que je me souviens qu'il y a un coffre ici. Alors...
Encore du lore, tout ça, mais c'est de l'XP en plus, donc on prend. Mais Serra, pourriez-vous arrêter de donner des coups de pied dans le mur? Qui êtes-vous donc pour me parler ainsi, sale petit paysan? Le garde qui va vous jeter dehors si vous donnez encore un coup de pied dans ce mur. C'est marrant quand même qu'ils ont pensé à des petites conversations comme bonjour, ça. Bonjour, Serra. Oui, bonjour, bonjour, garde. Donc, on va aller par là, parce qu'en fait, là-bas, il n'y a pratiquement jamais rien. Enfin, si, il y a des trucs, mais... Vous êtes un membre de la famille Hamel, n'est-ce pas? Oui. J'ai reçu un rapport concernant votre oncle il y a peu. C'est un personnage haut en couleur. C'est pas le meilleur exemple de notre famille, mais bon. Pour l'instant, on peut pas ouvrir cette porte. Elle nous est pas accessible. Bonne chance. Moi, j'attends depuis ce matin. Oui, 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 oui. Bon, donc en gros, les nobles font leur noble. Donc voilà, donc pour l'instant, la zone n'est pas très très ouverte. Bonjour, Serra. Une servante. Le bureau du vicomte n'est pas ouvert au public. Et encore moins aux nouveaux arrivants qui ne sont pas vraiment des citoyens. Non mais oh! Une petite quête où il faut juste rapporter un truc à quelqu'un pour qu'il nous donne l'argent. Alors le mystère de Kerkol, en fait, c'est plusieurs trucs à trouver à travers toute la région de Kerkol. Ça commence ici et il faut ensuite trouver les autres un par un. Alors, est-ce que je les trouverai tous? Pour moi, c'est une quête très très secondaire, donc j'en ferai pas ma priorité. Hein, le mystère de Kerkol, ni le mystère des livres des mages de sang qui arrivent, je crois, dans l'acte 2 ou l'acte 3. Enfin bref, donc il y a toujours une quête comme ça un peu cachée. Donc, ce que j'essaierai de faire, moi perso, c'est essayer de les faire de mon côté. Et si vous voulez vraiment qu'on la fasse, enfin qu'on les fasse ces quêtes, je chercherai une soluce pour savoir où sont les différents points à chercher, etc. Et en vidéo, on les verra tous donc. Mais voilà quoi. En gros, j'en fais pas ma priorité. Vous permettez que j'essaye? Mission accomplie. Et voilà. Ça c'est fait. J'espère que le vicomte n'oubliera pas de souper. Allons maintenant rendre une petite visite à la seule personne qui nous intéresse ici. Combien de temps vais-je devoir encore attendre? Donc, à savoir Aveline. Mais avant de parler directement à Aveline, on va fouiller les lieux. J'espère que vous passez une bonne journée, Serra. J'espère que toi aussi tu passes une bonne journée. Donc, ça c'est la garde civile, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Étude de l'enclin. Tac, 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 tac. Ici, il n'y a donc vraiment rien du tout. Et ici, on a un coffre. Et rien d'autre. Arik. C'est parti donc pour parler à Aveline. Et donc commencer notre recrutement d'alliés. Aveline. Bonjour, Oak. C'est tout? Quoi? Oh oui, excusez-moi, j'ai l'impression que nous venons à peine de nous parler. J'ai gardé un œil sur vous. L'un des intérêts de ce travail est qu'il permet de recueillir des informations. Attention à Bartrand, c'est une ordure. Vous savez que je n'apprécie guère que vous me fassiez surveiller. C'est ça ou c'est moi qui campe devant votre porte? Après ce que nous avons traversé pour arriver ici. Eh bien, je sais que vous êtes adulte, mais je prends soin de mes amis. Vu les endroits où ils m'envoient en patrouille, je ne manque pas de temps. Avec une personne de votre statut, il pourrait certainement apprendre des choses intéressantes. Vous savez bien que poser cette question est inutile. Un jour, vous serez suffisamment frustré pour plonger dans la brèche. J'ai l'impression de perdre mon temps en futilité, alors que cette cité est pleine de gens dangereux. En fait, j'ai peut-être une tâche à vous proposer. Si vous voulez rendre service à Kerkwall, venez me voir. Sinon, je suis là si vous avez besoin de moi. Par le Créateur. J'aimerais faire quelque chose de plus utile de mon temps. On dirait que Kerkwall vous convient. C'était un défi à relever. Beaucoup d'opportunités, si les habitants sont prêts à vous accepter. C'est votre cas? À force d'y réfléchir, on finit par s'en convaincre. Une année a passé. Vous...
Vous allez bien ? Vous n'avez pas besoin de me dorloter ainsi. Je suis où je suis. L'importance que j'attache à mes souvenirs ne regarde que moi. Ce doit être très différent que de servir le roi Kaylan. J'ai aimé cette vie, mais nous avons un nouveau roi dans un nouveau Ferelden. Il a l'air un peu trop sûr de lui, mais il était présent lorsque l'archidémon a été vaincu. Et on ne peut négliger sa participation. Mais ce n'est qu'un changement de plus. La vraie fin pour moi a été Ostagar. Carver était là-bas. J'imagine qu'il ressent la même chose quand il accepte d'y penser. L'enclin est terminé. Vous pourriez retourner à Lothering. Ça n'a jamais été chez moi. Ce n'était que l'endroit où la Horde nous tenait à la gorge. Ce n'était pas le premier village que j'ai vu tomber. Mais on ne s'habitue jamais à voir les gens perdre tout ce qu'ils ont. Je vais faire quand même celui qui est nostalgique de son ancien chez lui. Je sais une chose. Je ne voulais pas dire au revoir de cette façon. On dit qu'on ne rentre jamais vraiment chez soi. Question de maturité, il paraît. C'est différent quand on n'en a même plus la possibilité. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse, ma grande ? Très bien, Aveline. Vous avez quelque chose d'intéressant à faire ? Mes patrouilles sont peut-être de simples marches nocturnes, mais quelque chose d'important va arriver et je pourrais avoir besoin de vous. Une embuscade, probablement pour une caravane, mais je ne trouve aucune livraison qui corresponde. Mais ça importe peu. Si des brigands attendent de fondre sur une proie, je me dois de les arrêter, que ce soit ma juridiction ou non. Avez-vous la moindre piste ? Un nom ? C'est sans importance. S'ils nous attaquent, ce sont des criminels, c'est simple. Mais je suis prête à parier qu'il s'agit de contrebandiers. Comme je l'ai dit, ça semble être un piège tendu à une caravane. Vous êtes allé fourrer votre nez hors de votre juridiction ? J'ai des contacts, brigands et autres, et ils aimeraient mettre de la viande dans leur assiette. Quelqu'un recrute. Certains d'entre eux ont reçu l'ordre de se préparer pour des voyageurs. Si on veut bien faire ce travail, il faut faire attention à ceux qui manquent, repérer les gens qui préparent leur fuite. C'est le genre d'information que vous devriez partager avec les autres gardes. Je le ferai si vous choisissez de passer la main. J'enverrai des alertes et quelqu'un d'autre prendra la tête d'une patrouille. Mais il y a de l'argent et de l'influence à gagner. Je vous fais cette proposition au nom de notre amitié. Je ne suis pas garde, Aveline. Nous sommes peu nombreux. Et nous pouvons faire appel à des recrues extérieures de temps à autre, tant qu'elles sont compétentes. Vous pensez toujours être à la hauteur, n'est-ce pas ? Oh là là, si tu me prends au défi ! D'accord, Aveline. Je jouerai les gardes pour vous. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ils se cachent dans les terres brisées. C'est loin et escarpé, mais nous pourrons y être rapidement en prenant un raccourci. Et non, vous ne pouvez pas aller vous en charger sans moi. Je vous fais confiance, mais je dois être là. Vous agissez sous la responsabilité de la garde. Très bien, patronne. Très bien, on va faire ce que tu dis. T'as même plus le droit de s'amuser, quoi. Oui, alors justement, et je vais augmenter sa force plutôt. Voyons voir. Donc, il lui faut une nouvelle technique de combat. C'est parfait. Avançons. Ne faites pas de bruit, Serra. Le vicomte n'aime pas être dérangé. Et c'est pas grave, s'il nous manque un membre du groupe, on peut toujours faire appel au chien. Et c'est amplement suffisant. Rendons-nous donc au site d'embuscade. Alors, où sont les méchants ? Il doit bien y avoir un ou deux drilles avant le gros du groupe, mais rien que l'on ne puisse gérer. Pas de problème, de toute façon. Nous avons le meilleur des alliés avec nous. Donc c'est parti. Faire les choses correctement. Elle a raison, rien de bien méchant pour l'instant. Varric, tu passes en premier. Si je me souviens bien, par là, il y a des pièges, donc... Eh ben, il nous faut quelqu'un pour expertiser les pièges. Tiens, justement, ça me rappelle. Aveline, maintenant que t'es dans l'équipe... Oula, ça bug un peu par ici.
Donc, il faut trouver la sienne. Donc, c'est soit un truc comme ça, soit c'est ça. Alors, voilà. D'accord. Donc, ça, c'est Aveline. Donc, c'est pas Aveline, c'est pas Aveline. Ah, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais lui donner en plus? Ça pourrait être bien, en tant que guerrier, ça serait bien, mais j'aimerais le garder pour un autre guerrier, en fait. Celui qui va le plus souvent, en fait, m'accompagner. Dans mes souvenirs, c'est celui qui m'accompagne le plus souvent, donc... Ouais, je vois que ça, hein. Ça en fera un tank pour le coup, mais bon. Quand on n'a rien de mieux. Donc, ne jamais la séparer du bouclier de Sir Wesley. Quant à l'épée, j'en sais rien. Est-ce que je lui fais garder ou est-ce que je l'échange avec une autre qui pourrait avoir plus de... Ouais, parce que ça, c'est beaucoup mieux. Alors, elle est plus petite. Donc, je vais plutôt lui mettre ça. Donc voilà. Donc ouais, je pense que là je l'ai équipé correctement comme il faut. Ok. Continuons. Oui, donc je disais Varric. Passe en premier. Retour à Varric. Ok, un piège, c'est bien. Personne ne bouge. Restez aussi silencieux que possible. Mission accomplie. Ça lui fait toujours des petits points d'XP en plus, et si je me souviens bien, à partir d'ici, il n'y a plus de piège. Ah, une elfidée, ça fait partie des ressources justement à récupérer. Voilà. Donc, on en a une. Et il faut toutes les trouver, en fait, c'est tout. Cette partie-là a été vérifiée et sécurisée. Il n'y a vraiment rien d'autre, hein, on est bien d'accord. Hein, je ne rate rien en allant par ici, par exemple. Ouais, il ne détecte rien. Ok, rien qui se met en surbrillance. Ok. Bon. Donc, cela a été fait. Vérifions donc cette petite zone là-bas au fond. Il y a quelque chose. Ok, on reprend notre route. Le ah ouais aussi. Cascade ne doit plus être très loin à présent. Tenez-vous prêt, Hawk. Donc ouais, si je me souviens bien dans le personnage, voilà, on peut faire tactique, c'est-à-dire lui dire ce qu'il doit faire comme comportement. Alors par la suite, j'en donnerai à certains des lignes directives très précises. Comme par exemple le mage qui va me servir de mage de soin, de heal et de soutien.
pour les autres. Ce sera du classique. Les cibles. En avant pour la garde civile de Kerpool. Frappez là où... Ça fait mal. Plutôt bien équipé pour des bandits, mais bon, un mort, c'est un mort, et la voie est libre. Il faut prévenir le capitaine Jeven. Retournons au camp pour toucher cette récompense bien méritée. Ok, mais avant ça, laisse-moi récupérer ce qu'il y a sur les cadavres. Je te rappelle que moi, je dois récupérer de l'argent pour une expédition. D'ailleurs, j'en suis à combien ? Ouais, je suis déjà à 15 pièces d'or, mais c'est pas suffisant. En tout cas, dans mon cœur, ça ne l'est pas. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut se TP directement au château du Vicomte. Bonjour, Serra. Oui, bonjour, bonjour, garde. Allez, hop. Le camp n'est pas très confortable, mais c'est le seul endroit où j'ai envie de me trouver. Bon, ben, allons-y, toquons à la porte du chef. Voilà les quartiers de Jeven. Attendez-moi, je vais lui expliquer notre plan. J'ignore comment ça se passe, là d'où vous venez. Mais ici, c'est moi qui décide des patrouilles, pas vous avec vos caprices. Vous êtes peut-être passé lieutenant dès la première année, mais il est hors de question que je traîne des matuvus sous mes ordres. Est-ce que c'est clair? Retournez à votre poste avec votre sbire de Ferelden avant que je vous jette en prison. Charmant, n'est-ce pas? Je n'ai pas à l'aimer, mais tout de même, il pourrait écouter. Les bandits sont morts, c'est tout ce qui devrait compter. Ce n'est pas la première fois que le capitaine me met la puce à l'oreille. Quelque chose ne tourne pas rond. Le moment est sûrement mal choisi pour lui parler de son ardoise. Il vous jetterait en prison, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Quant à lui parler du reste... Le tableau de service devrait indiquer quand sera ma prochaine patrouille. On dirait que j'ai largement le temps de vous suivre. Vous menacez mes amis. Ça, je ne suis pas prête de l'oublier, capitaine. J'ignore pourquoi les Tevintid utilisaient cet endroit dans le temps, mais je parie que ce n'était pas pour que les gens se sentent comme chez eux. Aveline ! Merci de m'avoir tiré de cette embuscade l'autre soir. Je vous dois une fière chandelle. C'était votre parcours de ronde, Brennan ? Oui, je patrouillais seule. J'y serais restée à coup sûr. Un garde seul, ce n'est pas ce que j'appelle une patrouille. Il n'y avait aucune raison d'envoyer une patrouille. Ça faisait des semaines qu'il n'y avait pas eu la moindre embrouille sur cette route. Le capitaine m'a affecté à une autre tâche quand il a eu vent de vos exploits. J'ai donné la sacoche à Denik pour la patrouille de ce soir. La sacoche ? Des paiements, des ordres de mission. Le capitaine nous charge de remettre ces documents aux arrière-postes lors des patrouilles calmes. D'habitude, ce n'est rien de plus qu'une copie du tableau de service. La sacoche de ce soir pesait bien lourd, mais enfin... En tout cas, merci encore, Aveline. Vous êtes une sacrée bonne femme. Si on récapitule, la sacoche s'est alourdie le soir même où l'on évite une embuscade. Vous êtes sûr de vouloir vous mêler de tout ça? Vous parlez de votre supérieur tout de même. Quand la vie d'un garde est en danger, un bon capitaine est censé vouloir savoir pourquoi. Et si Jeven n'est pas un bon capitaine, j'entends découvrir pourquoi. Je parie que votre capitaine pourra expliquer tout cela par un mensonge bien ficelé. Je l'écouterai volontiers, mais pas à l'instant où un garde s'apprête à tomber dans un piège. Brennan a parlé de Denik, un chic type. Denik. C'est bon, j'ai trouvé. Une balade nocturne dans la basse ville. Allons vérifier que sa patrouille est aussi tranquille qu'elle est censée l'être. Il va nous permettre d'expérimenter un truc dans le jeu. À savoir les gangs de nuit.
C'est une autre quête secondaire un petit peu cachée. En fait, quand vous allez dans les quartiers de Corkwall de nuit, il y a des gangs, en fait. Et il faut que vous patrouillez 2-3 fois dans une zone pour que finalement, il y a un groupe de bandits qui vous permet de trouver une lettre pour trouver leur QG, donc mettre fin à leur, trafic dans le quartier. Et il faut faire ça dans 3 quartiers, à savoir la haute ville, la basse ville et les quais. On les a pas encore débloqués, mais ils seront par là, donc voilà. Donc allons-y de nuit. Les rues devraient être sûres, même la nuit. Que diriez-vous de me donner un coup de main ? Mais c'est déjà le cas. Donc c'est pour ça qu'on va se mettre un petit peu à chercher les ennuis. Le chien, avec moi. Tu vois, il est déjà là. Le chien, j'ai... Je n'envoie pas mes gardes lutter contre les criminels dans les ruelles sombres. Mais si vous voulez donner de votre personne... Eh ben je suis preneur, ça fait toujours du boulot et de l'argent. Et en ce moment, on a besoin de l'argent. Comme j'ai dit, d'abord, tout fouiller, tout récupérer. Vérifier bien chaque ruelle, chaque endroit qui semble être juste un coin paumé. Même là, il peut y avoir des trucs cachés. Donc voilà, donc... Toujours fouiller, toujours chercher. Il n'y a pas de temps à perdre, Hawk. Le garde de Nick doit être quelque part ici. Alors en fait, il est dans cette direction. Et on s'en occupe immédiatement, t'inquiète pas, Aveline. Là. C'est juste qu'après, on fera tout le tour du quartier pour voir toutes les patrouilles de bandits du coin. Et les exterminer. Puis après quoi, faudra qu'on repasse ici une autre fois durant la nuit. Faire une nouvelle patrouille. Donc ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Ok, il y a l'air d'avoir vraiment rien. Ok. Nous nous approchons du milieu de l'embuscade et je n'ai pas l'intention d'y laisser un autre garde. J'étais en pleine patrouille quand ils sont sortis de nulle part. J'en ai descendu quelques-uns, mais ils étaient trop nombreux. Le capitaine disait pourtant que cette route était sûre. Le sceau du vicomte. Des informations sur ses fonctions, les comptes de la cité... Le genre d'informations qui valent de l'or pour une guilde de voleurs. C'était un sacrifice, ni plus ni moins. Le sacrifice de nos propres hommes. Le capitaine Jeven devra répondre de cela. Il a vendu les siens. Oubliez le capitaine, c'est un homme qui a besoin de pouvoir. Ce n'est pas le moment, Hawk. Jeven a grand besoin d'expérimenter la justice, personnellement. Direction le vicomte. Hors de question de taire cela.
capitaine chéritant ses voleurs? Eh bien, voyons voir l'accueil qu'ils vont lui réserver en prison. Oui, mais avant ça... Patrouille! Patrouille nocturne pour nous! Ah, ça m'embête de devoir jeter ces trucs-là, mais bon... Habituellement, c'est ce qui vaut le moins cher. Enfin, c'est ce qui rapporte le moins. C'est plus vraiment l'équipement qu'il faudra vendre. Ah, ça y est, je peux mettre... Ah, mais non, ça c'est justement les gants de l'autre, là, que j'ai oublié de ranger, d'ailleurs. Faudra donc que j'aille les ranger. Je suis que level 5. Donc, attendez, ça c'est level 9, ça c'est level 7. Et ça c'est level 6. Ah bah, dis donc, je vais avoir le casque avant tout le reste. Alors, Samson lui servira pour une quête secondaire, justement, un peu plus tard. Donc, avant cela, continuons notre patrouille. Personne. Ah ah ah, l'ennemi est là. Donc ici, c'est la guilde des coupe-jarrets qui règne en maître. C'est eux qu'il va falloir démanteler dans la base ville, pour l'acte 1 en tout cas. Parce que je vous dis bien que ça soit à chaque fois un nouveau groupe se met en tête de diriger les lignes. Il y a vraiment rien là-bas, hein. On est bien d'accord, hein. Il y a juste la fin de la zone. Je vais bien vérifier, hein. Rien, pas de trucs cachés par les meubles ou je ne sais quoi. Parfait. On peut donc continuer. C'est la petite balade haute, la petite balade haute, y'a rien ici, donc on continue. Oh. Bonjour tout le monde. Ah, ils ont déjà battu le chien. Oh, mais je rêve. Ils ont battu le chien Valmar. C'est pas bien ça. Comment osez-vous vous en prendre à cette pauvre bête? D'abord, l'arbre. Voilà. C'est sûrement le truc de codex le plus caché du jeu, je trouve. Enfin, l'un des plus cachés. Et voici la seconde partie du mystère de Corp. Faudra qu'on fouille après pour le reste. Mais, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, ok. D'accord. Et sachez que quand vous êtes de jour, les coffres et les caisses à débloquer, ce genre de choses dans les quartiers, ont des emplacements totalement différents. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment fouiller le jour et la nuit pour vérifier que vous récupérez tout. En fait. J'ai failli rater un sac. Pourtant, il n'y a pas plus visible que lui, hein. Bon, rendons-nous donc chez le vicomte. Combien de temps vais-je devoir encore attendre? Comment osez-vous? Je suis votre capitaine. Vous n'avez pas le droit.
Catin de Ferelden, de quoi vous mêlez-vous? Je vous ferai pendre et écarteler. Ça ne se passera pas comme ça. Nous avons des raisons de suspecter certains individus. C'est bien triste. Mais vous, Aveline Valen, avez prouvé votre loyauté et vos capacités. La garde mérite mieux que lui, Messera. En effet, le vicomte souhaite mettre à profit votre intérêt pour les hommes de la garde. C'est pourquoi vous allez être promu capitaine. Quoi ? En temps voulu, bien sûr. Après avoir suivi une formation et passé certaines épreuves, ça va prendre quelques mois, au bas mot. Après avoir révélé un tel scandale, qui mieux que vous saurait restaurer la confiance ? Réglez dès à présent vos affaires en souffrance. À l'avenir, vous allez être très occupé. Et là voilà, chef des lieux. Donc voilà, c'est là où on retrouvera Aveline quand elle n'est pas dans notre groupe. Le camp n'est pas très confortable, mais c'est le seul endroit où j'ai envie de me trouver. Alors pour une raison qui m'échappe totalement, à chaque fois, il bug au niveau de la porte. Mais bon. Donc Aveline, t'as des choses à nous dire, et bah allons-y. Toujours là quand vous avez besoin. Ah non, attendez. Varric, non. Vous êtes le capitaine, ou vous le serez. Ça sera facile. Je n'interviendrai pas auprès du vicomte pour vous permettre de voler le titre de propriété de l'auberge du pendu. Voler, madame? Vous allez me blesser. Ça ne saurait tarder, en effet. Le changement est en marche, hein, capitaine de la garde. Merci, Wesley. Que vous chérissiez tant son souvenir en dit long sur ses qualités. Il n'est pas avec moi, je le sais. Qu'il soit aux côtés du Créateur ou non, il ne connaît pas de souffrance. Ce moment est tout ce que je garde. Je n'abandonnerai plus personne de cette façon. Qu'il soit aux côtés du Créateur ou non, que voulez-vous dire? Wesley était croyant et, s'il avait raison, c'est là qu'il est maintenant. Mais... je ne trouve pas toutes ces histoires de « moins le Créateur en fait, plus il nous prouve son existence » très crédibles. Mais vous avez épousé un Templier. J'ai épousé un homme bien. Et il n'est plus là maintenant. J'ai entendu le cantique. Il est superbe. Il n'a peut-être pas besoin d'être autre chose que ça. De toute évidence, Wesley vous manque, mais ce n'est pas le problème. Bien sûr qu'il me manque. Mais il ne reviendra pas. Le pleurer comme une enfant ne sert à rien. Alors je me souviens de lui, mais je le laisse à son repos. Mais vous n'êtes pas si tendre avec vous-même. Non. Je ne comprends pas comment vous pouvez vous sentir coupable de ce qu'a commis la Horde des Engeances. C'est moi qui lui ai porté le coup fatal, Hawk. Oui, ce qui est fait est fait. Ma raison savait que cela devait être fait. Wesley le savait aussi. Mais mon cœur a été cruellement meurtri. Je pourrais m'habituer à avoir la loi et l'ordre de mon côté. Vous allez vous tenir à carreau. Voilà ce que vous allez faire. Je viens d'envoyer Jeven en prison pour corruption. Je ne vais pas suivre le même chemin. Vous ne me laissez jamais m'amuser. Je crois que cela vaut mieux pour tout le monde. Ok. Je ne fais pas de romance avec Aveline. Et de toute façon, en fait, c'est un personnage dont la romance finit par casser quoi qu'il arrive. Donc... J'ai hâte de collaborer avec vous, capitaine de la garde Aveline. Ça sonne encore bizarre, n'est-ce pas? Capitaine de la garde. Merci de m'avoir aidé à venir ici, Hawk. J'ai trouvé ma place. Et de toute façon, comme j'ai expliqué, la romance que je prévois avec Hawk, c'est évidemment Isabella, puisque c'est, selon moi, la seule romance possible pour Hawk. Je suis désolé, Isabella, c'est le meilleur perso du jeu. Vous pouvez vous servir de la porte, vous savez. Seul moyen, moi, que j'ai trouvé à chaque fois pour débloquer la situation. Bonne chance. Moi, j'attends de plus maintenant. C'est de faire ça. Si je me souviens bien, c'est de faire ça. Là, oui.
Et hop, voilà. Là. Soudainement, tout le monde est débloqué, hein. La porte n'est plus un problème. Combien de temps vais-je devoir encore attendre ? Aussi longtemps qu'il le faudra. Oui, parce que je veux rapprocher Aveline de Donick. Hein. Vu qu'il est là, maintenant on peut un peu discuter avec lui. J'espère que vous allez bien, Donick. Ça va. Et vous méritez bien votre récompense. Ce serait un honneur que de vous avoir au-dessus de moi. Au-dessus, je veux dire en grade, capitaine. Merci, Donick. Ce serait un honneur pour moi aussi. Voilà, c'était la petite blague salace, gratos, tout ça, etc. Tiens, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas l'autre garde aussi, celle qui avait remercié Aveline d'avoir pris sa place pour la patrouille, la patrouille piégée, là. On va vérifier. Si on peut discuter aussi un petit peu avec elle pour voir ce qu'elle a à dire. Non, elle c'était vraiment le personnage complètement osef et random quoi. Continuons donc. Bonne chance, moi j'attends de plus ce matin. Donc on va voir s'il y a moyen de recruter quelqu'un d'autre. Là on se rend chez nous.